Bonjour Henrik. Alors déjà pour commencer, c'est pas mon premier cross, parce que j'ai fait des départementaux quand même, mais c'est sur cross long. Et là, bah, c'est le cross court. Donc bah du coup, voilà, on y va sans pression et voilà, on va essayer de faire au mieux. Alors merci d'abord de m'emmener, hein. Et puis bon, alors là on se dirige tranquillement vers Vittel. Ouais, il le faut, on attend ce rendez-vous avec impatience depuis le début de la saison de cross. Voilà, puis c'est un plaisir de t'emmener entre passionnés. Hein. Voilà. Là, tu passes un bon moment dans le bus avec les autres qui sont sages. Ouais, ils sont sages. Bon, avant la compète, ils sont sages. Après, on les tiendra plus, mais avant la compète, il faut un peu de sérénité. Voilà, ils sont entraînés pour ça. C'est comment après la compète? Bah, j'espère que ça sera le feu, qu'on va fêter les médailles, comme l'année dernière, ça serait bien. C'est si enflammé que ça, il reste des choses après. Ouais, j'espère, on verra comment on va l'enflammer, j'espère que demain en tout cas ça va être une grande journée pour nous et pour le club, c'est très important. On a les objectifs sur cross court hommes et femmes, mais est-ce qu'il y a les jeunes aussi qui peuvent briller? Oui, les jeunes les juniors sont un peu juste cette année, les juniors filles on va voir, hein. J'espère qu'elles vont bien donner. Et c'est vrai que notre gros objectif c'est cross court hommes et cross court femmes. J'espère qu'on va conserver notre titre de l'année dernière, plus des titres individuels. Et chez les garçons, on compte beaucoup sur Louis. Oui, on essaie d'être le plus zen possible et arriver en super forme. Là, la saison s'est plutôt bien passée. Tu te sens plutôt prête là pour gagner le cross court? Ouais, je me sens prête là. Je me sens prête à aller sur la ligne de départ et tout donner pour l'équipe et pour moi et pour ma saison. Et voilà. C'est vrai, il semble y avoir un objectif sur cross-court par équipe cette année. Et toi dedans, vu que tu avais déjà brillé l'année dernière, ça semble plutôt bien s'annoncer. Oui, chaque personne est importante là dans le groupe. Et normalement ça devrait bien se passer. Enfin, si je fais confiance. Je fais confiance à mes entraînements et j'espère me classer dans les 5 ou même faire un podium. Et ce qui permettrait aussi à l'équipe de faire une super bonne place. Leïla chez les femmes. Allez, chez Leïla, évidemment. Hein, Leïla, je veux pas trop lui mettre la pression parce que... Là, elle t'entend pas, là. Ouais, c'est bon, alors. Ouais, non, mais Leïla, on a de grands espoirs en elle, donc je pense qu'elle sera pas loin de la victoire. Le cross-course, c'est pour l'équipe, là? Exactement. Bah, normalement, je devais pas être qualifié, parce que j'ai pas fait de cross, du coup, j'ai pas fait les régionaux et les IFA. Mais comme on a une équipe sur le cours, ils ont pu me repêcher pour essayer de renforcer un petit peu l'équipe, et essayer de jouer un petit truc, un petit podium. Je m'entraînais normalement, parce que j'ai commencé à travailler, donc du coup, je peux me réentraîner. Mais du coup, ça tombait mal à chaque fois les week-ends, parce que j'avais le boulot, donc du coup, j'ai juste pas pu participer. Mais je m'entraînais, et voilà, j'étais dans le coin. Le boulot, t'arrives à t'entraîner à côté? Yes, c'est ça. Donc j'ai quand même pas mal de jours de repos dans la semaine, donc je peux placer quelques séances. Voilà. Voilà, alors là on est arrivé à Vittel. Bon, alors désolé pour les supporters parisiens, mais j'ai également mis la casquette, voilà. Alors comme vous le voyez, on a l'église qui est juste ici, et on est devant le palais des congrès, voilà. Le palais des congrès de Vittel. C'est ici que les athlètes retirent actuellement leur dossard. Bon, ils sont pas encore tous arrivés, il y en a déjà qui ont dû passer ce matin pendant qu'on n'était pas là. Il y en a qui passeront encore ce soir. Bon.
Il y en a d'autres qui arrivent. On a vu le Racing Multiathlon, il y a eu le Pays de Fontainebleau évidemment, il y en a d'autres qui sont là. Il y a beaucoup de beau monde qui arrive. Il y a des jeunes qui reconnaissent les meilleurs. Bon, voilà. Alors là, l'ambiance est déjà en train de se mettre en place. C'est le calme avant la tempête. Et la tempête, c'est demain. Voilà, alors là, on est dans l'hôtel Cosmos à Vittel. Enfin, on n'est pas vraiment à Vittel, on est à côté de Vittel. J'ai pas mis mon micro, j'ai pas branché quoi que ce soit parce que c'est tellement calme. Juste faire profiter un peu de la vue. Écoutez ça. Les applaudissements du public de Vittel, voilà, dans le frappe, dans là-bas, pour chercher le titre de championne de France. Et là, lorsque vous êtes quasiment moins allez, allez, allez.